mais on a découvert quelque chose ici. Vous êtes certain qu'il n'y a pas d'autre équipe qui fait une tentative? À vous. Négatif, Edmond, vous êtes seul. Vous avez croisé une autre équipe? À vous. Pas exactement. La nuit dernière, John a dit qu'il avait l'impression qu'il y avait quelque chose dehors. On est partis voir tous les trois et à un moment, c'est peut-être le vent, mais on aurait dit un rugissement. Mais pas un ours, autre chose. On a couru vers l'endroit d'où ça semblait venir, mais il n'y avait plus rien, hormis des empreintes d'un bipède dans la neige. Je ne vous comprends pas bien, vous avez croisé un autre groupe, à vous? Non, les traces sont géantes, il y a quelque chose ici, mais c'est trop grand pour être humain. Yeti est ancré dans le folklore des habitants de l'Himalaya depuis plusieurs milliers d'années. Du Tibet au Bhoutan en passant par le Népal, on trouve en effet un nombre incalculable d'histoires autour de celui qu'on appelle en Occident l'abominable homme des neiges. La plupart d'entre elles font de ce personnage mondialement connu une description assez épouvantable. Le Yeti serait une sorte de créature mi-humaine, mi-bestiale, bipède mais capable de marcher à quatre pattes de temps en temps. Sa taille se situerait quelque part entre 1m50 et 3m75. On le distinguerait facilement grâce à son crâne allongé, en forme d'obus. Il serait extrêmement musclé, et quasi intégralement recouvert d'une fourrure tantôt grisâtre, tantôt rousse, et même parfois blanche. Seul son visage serait dépourvu de poils, ce qui lui donnerait un faciès effroyablement proche de celui d'un homme. C'est effroyable de ressembler à un homme? Oh putain! Les ethnologues ont longtemps tenté de remonter l'histoire pour trouver l'origine de cette légende. Selon certains, la première mention connue de l'existence d'un tel homme sauvage ou d'un homme singe dans cette région du monde se trouve dans le Ramayana, une épopée mythologique qui est en quelque sorte le livre fondateur de l'hindouisme. Dans ce texte, rédigé en sanskrit il y a plus de 2000 ans, on trouve de nombreuses mentions du peuple singe Vanara, dont le plus célèbre représentant est le dieu singe Hanuman. Oh mon dieu! Toutefois, si Hanuman et ses semblables sont décrits comme des êtres plutôt sympathiques, les légendes actuelles autour de l'homme sauvage des montagnes font quant à elles plutôt état d'une créature dangereuse, qui enlève, assassine et viole ses victimes, dans cet ordre. Pour l'auteur Shiva Dakal, la majorité des contes au sujet du Yeti remplissent en fait un des buts essentiels du folklore, mettre en garde contre les dangers de la vie sauvage, et enseigner à tous l'importance de rester en sécurité auprès de la communauté. Oui, ou alors tu peux regarder Into the Wild. Ouais, ça marche aussi. Ouais. Le mythe de l'homme singe ne se limite pas uniquement aux régions de l'Himalaya. On trouve des histoires similaires dans à peu près tous les continents. Le Yiren en Chine, l'Almasti dans le Caucase, le Bigfoot en Amérique du Nord, ou encore le Big Greyman en Écosse sont la même manifestation d'un même mythe. Cette diversité traduit probablement une fascination de l'homme pour des créatures qui lui ressembleraient en tout point mais vivraient à l'état sauvage. Mais comment il fait ? Bref, le Yeti. Celui-ci possède de multiples appellations. On a le Rakshasa, ce qui signifie démon en sanskrit. On a le Migo, qui veut dire l'homme sauvage en tibétain. Et on a encore le Tsute, dans certaines régions tibétaines, ce qui signifierait l'ours du bétail. Donc, est-ce qu'on a affaire à un homme, à un ours ou à un démon? Retraçons ensemble l'histoire de ce mystère. Le moine philosophe Roger Bacon, vous savez, on en avait parlé durant l'épisode sur le manuscrit Voynich. Il évoque le Yeti pour la première fois dans des ouvrages datant du XIIIe siècle. Dans ses récits, il explique comment les habitants des montagnes himalayennes et de Chine capturent ces étranges êtres poilus, que l'on nomme Yeti, avec des bols d'alcool. En 1832, l'aventurier B.H. Oxon raconte comment ses guides ont témoigné avoir vu une grande créature bipède avec de longs poils qui aurait fui devant eux. Pour l'aventurier qui ne croit pas trop à ces histoires, c'est probablement un orang-outan. En 1889, le militaire britannique Lawrence Waddell découvre des empreintes de pas au Tibet que ses guides attribuent à un homme très poilu vivant dans les neiges éternelles. En 1925, le géologue et photographe N.A. Tombazzi déclare avoir aperçu une sorte d'ermite à environ 200 mètres de lui, à 4600 mètres d'altitude. Il était apparemment totalement noir, avec des traits humains et ne portant pas de vêtements. En 1951, Eric Shipton, alors qu'il gravit l'Everest, découvre une étrange piste avec des traces de pas sur plus d'un kilomètre. Il prend ce cliché, qui est depuis l'un des clichés les plus étranges du mystère du Yeti. En 1953, John Hunt, Edmund Hillary et Tenzin Norgay furent les premiers à atteindre le sommet de l'Everest. Ils relatèrent d'étranges traces de pas, mais aussi des témoignages, des locaux évoquant
une présence dans les montagnes. En 1955, l'abbé Bordet, un géologue parisien en repérage au Népal, découvre la piste à trois reprises d'un animal bipède sur plusieurs centaines de mètres. La même année, l'expédition Ralph Izard découvre le même type d'empreinte que celle photographiée par Shipton. Plus récemment, en 2007, l'aventurier et présentateur de télé Joshua Gates découvrit des empreintes de pas moins de 30 cm. L'américain Jeffrey Meldrum, expert en morphologie du pied et spécialiste de la locomotion chez les primates, affirma que ces empreintes étaient trop précises d'un point de vue morphologique pour être un simple canular. Bref, le Yeti, ou tout du moins ses empreintes, ont pu être observées par de nombreux scientifiques, explorateurs ou aventuriers. Il y a donc bien fond de vrai dans cette légende. Au cours du XXe siècle, les scientifiques aussi ont mené l'enquête pour tenter de trouver une origine rationnelle à la légende du Yeti. Comme souvent, les mythes ne viennent pas de nulle part. La plupart des créatures mystiques ont une origine bien réelle. Ha ! Oui, la plupart, mais pas toutes. Ah, faut toujours que tu chipotes. Oui. C'est en 1935 qu'est arrivé le premier indice. Le paléontologue Gustav von Königswald, de passage à Hong Kong, dénicha dans une petite échoppe une curieuse molaire fossilisée. Après étude de celle-ci et de quelques autres ossements retrouvés dans la région, les scientifiques ont conclu que ces restes appartenaient probablement à une espèce de singe géant qui vivait en Asie du Sud-Est il y a plusieurs centaines de milliers d'années. Ce colosse, dénommé Gigantopithèque, devait ressembler à un orang-outan ou à un gorille actuel, excepté sa corpulence, 3 mètres de haut pour 600 kg. Pour de nombreux scientifiques, les populations locales auraient sans doute pu, par le passé, retrouver d'autres ossements de Gigantopithèque qui ne nous sont pas parvenus. Et c'est à partir de ces ossements qu'ils auraient forgé la légende du Yeti. Mais comment expliquer toutefois les très nombreux témoignages de Sherpas et d'alpinistes qui racontent avoir aperçu dans les montagnes une immense silhouette bipède? Pourrait-il s'agir d'une forme d'hallucination à grande échelle? Viens, viens voir! Viens voir, viens voir. Ouais, qu'est-ce qu'il y a? Tu vois ce que je vois? Certaines recherches semblent suggérer que oui. Une première hypothèse pointe du doigt les infrasons, des sons très graves, imperceptibles par notre oreille, et qui peuvent être générés par le vent. Selon une étude publiée en 2003, les infrasons pourraient en effet être à l'origine de sensations de malaise et d'anxiété chez certaines personnes. Les infrasons ont souvent été invoqués pour... Bon, c'est fini, oui. Bref, les infrasons ont souvent été invoqués pour expliquer des phénomènes paranormaux, même si ces recherches ne font pas l'unanimité. Une autre solution fait intervenir une illusion optique connue sous le nom de spectre de Brocken. En effet, lorsqu'un alpiniste se trouve sur un sommet montagneux et porte son regard dans la direction opposée au soleil, il peut arriver qu'une immense silhouette apparaisse face à lui. Il ne s'agit pas pour autant d'une créature véritable, mais de sa propre ombre considérablement agrandie, projetée au loin sur un nuage de gouttelettes ou du brouillard. Mais qu'en est-il de ces fameuses preuves ramenées lors des expéditions? Tiens, au fait, nouvelle veste? Oui, je trouvais que la couleur m'allait mieux. Tiens, étouffe-toi avec! Ok. Le Yeti, n'était-il qu'un objet de culture populaire? Une légende inventée par les anciens pour effrayer les plus jeunes? En Occident, personne ne s'était encore penché avec sérieux sur cette énigme. C'est là qu'intervient dans notre affaire le zoologue belge Bernard Evelmans. Le scientifique a passé sa vie à rechercher des informations sur le Yeti et d'autres animaux qui ne rentraient pas dans la classification des naturalistes. Il a mené l'enquête sur le Kraken, le monstre du Loch Ness et d'autres créatures un peu moins connues du bestiaire légendaire. Cette spécialisation, Bernard Evelmans l'a nommée la cryptozoologie. Son travail a hérité pas mal de scientifiques qui l'ont fait passer pour une sorte d'illuminé. Pourtant, sa démarche est particulièrement rigoureuse et il met un point d'honneur à recouper toutes les sources d'informations. Plutôt que de se contenter de vagues légendes, il s'intéressait davantage aux témoignages de première main qui déclaraient avoir vu les entités sur lesquelles il menait l'enquête. Si plusieurs témoignages convergeaient, il s'assurait que c'était cohérent par rapport à l'espèce sur laquelle il enquêtait et par rapport à l'écologie de la région. Ce sont par exemple les cryptozoologues qui ont permis de dire que le ou les monstres du Loch Ness ne pouvaient pas exister, tout simplement parce que le lac du Loch Ness n'est pas assez grand pour subvenir en besoins alimentaires à la dite créature. De plus, les Yétis ne pourraient pas vivre dans les régions neigeuses où les conditions de vie sont particulièrement difficiles, mais plutôt dans les forêts denses en haute altitude. Les cryptozoologues ont aussi récupéré les milliers de témoignages concernant le Yéti pour les ramener à seulement une quarantaine. Pour ce faire, ils n'ont gardé que ceux qui étaient des témoins fiables, qui ont été faits dans des conditions idéales et qui sont similaires à plusieurs décennies ou plusieurs kilomètres d'écart. Au passage, Evelmans voyait le Yéti plutôt comme une créature pacifique et Froussarde, ce qui a d'ailleurs inspiré Hergé pour le Yeti bienveillant de Tintin au Tibet. Si vous êtes curieux quant aux preuves sur l'existence du Yeti, je vous invite à regarder deux petites vidéos qu'on a réalisées à ce propos, l'une parlant de l'aventure de la main de Pangbosch,
une mystérieuse main de Yeti, et une autre sur le squelette de Néandertal sur lequel a travaillé justement Bernard Heuvelmans. Toutefois, même quelques témoignages fiables ne peuvent en aucun cas constituer des preuves concrètes de l'existence du Yeti. Il faut des éléments matériels. T'es sérieux là ? Bah ouais. Les scientifiques sont donc partis à plusieurs reprises en mission pour tenter de récupérer des échantillons provenant de ces étranges créatures. Des poils, des os, des dents, de la peau et même des excréments de Yeti ont pu ainsi être récoltés. Alors cette expédition, quel trésor as-tu ramené aujourd'hui ? Moi, de la merde. Bon, dis pas ça, il doit bien avoir 2-3 trucs sympas. Non, non, de la merde. L'échantillon le plus impressionnant est venu de Reinhold Messner, un alpiniste chevronné. Celui-ci clamait avoir dans sa collection un spécimen entier de Yeti, mort et naturalisé bien sûr. Un étrange animal qui proviendrait d'une expédition réalisée dans l'Himalaya en 1938 par les nazis. On t'a fait objet, les Italiens ! Je hais ces gars-là. Le but exact de cette expédition n'a pas été clarifié aujourd'hui, mais Messner affirme toutefois que son spécimen provient bien de cette expédition réalisée par les chercheurs allemands. Les analyses ont toutefois confirmé ce qu'on pouvait craindre à première vue. Le spécimen est bien évidemment un faux, réalisé à partir de poils d'ours et de chiens. Cependant, l'analyse génétique d'autres échantillons récoltés dans l'Himalaya et supposés appartenir à des Yetis ont mené le généticien Brian Sykes et ses collègues vers une autre piste. Dans un premier temps, les chercheurs ont trouvé une correspondance entre le génome supposé de Yeti et celui d'un animal qu'on attendait pas vraiment là, un ours polaire âgé de plus de 40 000 ans. Cette espèce ne vivant pas vraiment dans les régions montagneuses mais plutôt autour du pôle Nord, Sykes a avancé l'hypothèse que le Yeti pourrait être une espèce d'ours inconnu, une sorte d'hybride entre un ours polaire et un ours brun. Les scientifiques ont d'ailleurs choisi un nom parfaitement grandiose pour ce magnifique animal, un nom à la fois facile à retenir et issu de la contraction entre grizzly et polar bear en anglais, ce qui donne le gros lard. Non mais putain, c'est pas possible! Deux animaux badass, on a l'ours polaire, le grizzly, et putain, faut qu'ils trouvent le nom de gros lard! Putain, les scientifiques ont commencé à me faire chier, hein! Ouais, mais en même temps, en anglais, ça se dit growlass, c'est... Non, c'est de la merde, c'est de la merde. Merde! Le Yeti serait-il donc bel et bien une espèce inconnue des scientifiques jusqu'à présent? Non pas un primate, mais un ours vivant dans ces régions reculées? Une nouvelle étude plus complète, publiée en novembre 2017, réalisée sur 8 échantillons, a permis de remettre un petit peu les choses en ordre. Pour la biologiste Charlotte Lindquist, en charge de ses recherches, l'ADN de ces échantillons proviendrait bel et bien d'un ours, mais pas du tout un spécimen inconnu des scientifiques. À en croire ses analyses, le Yeti serait simplement un ours noir d'Asie, qui vit dans l'Himalaya et peut monter parfois jusqu'à 3000 mètres d'altitude. Son alimentation étant essentiellement végétarienne, les légendes d'attaques de Yeti sur des hommes ou des yaks seraient donc en grande majorité infondées. Ouais, sauf que pour les cryptozoologues, même s'ils reconnaissent l'intérêt scientifique de toutes ces recherches, ça ne suffit pas à clore le mystère du Yeti, puisque les habitants de l'Himalaya savent bien faire la différence entre un ours brun et un Yeti. Mais plus encore que les témoignages, ce sont les empreintes qui questionnent. Celle-ci a été photographiée en 1951 par l'explorateur britannique Eric Shipton. Cette empreinte ressemble à une trace de pas humaine, à ceci près qu'elle est beaucoup plus importante, et qu'elle possède un pouce typique des singes arboricoles qui les aident à grimper justement dans les arbres. Et puis ces traces de pas bipèdes s'étendent sur plusieurs centaines de mètres. Certes, certains ours peuvent être bipèdes par moment, mais certainement pas sur une centaine de mètres. Ces empreintes montrent donc que derrière la légende du Yeti, il n'y a pas forcément un ours, mais quelque chose d'autre. Peut-être un grand singe qui aurait évolué pour s'adapter aux conditions climatiques rudes des montagnes himalayennes. Certains témoignages sont d'ailleurs catégoriques sur un point qu'on n'a fait qu'à peine évoquer. Le fait que le Yeti ait un visage qui semble très humain. Et si le Yeti était proche de nous, Homo sapiens, à la fois génétiquement et physiquement. Certains y croient dur comme fer. Même s'ils en connaissent les grandes lignes, les paléo-anthropologues sont très loin d'avoir reconstitué l'intégralité de l'histoire de l'homme. Régulièrement, on déterre des fossiles humains d'espèces non répertoriées. Et on est encore très loin sur ce point à avoir tout découvert. Alors pourquoi les Yetis ne seraient-ils pas une espèce du genre Homo qui se serait adaptée au climat très difficile de haute montagne et qui vivrait en groupe restreint? Vous en doutez encore? Eh bien, figurez-vous que les zoologues découvrent très régulièrement de nouvelles espèces animales. Pas que des insectes, il y a aussi de grands mammifères. Par exemple, en Afrique occidentale, depuis le XVIIe siècle, il y avait régulièrement des légendes de gros hommes poilus qui enlèveraient des femmes et qui vivraient dans les forêts. Une légende ridicule.
C'est ce qu'on pensait avant que des scientifiques occidentaux démontrent la présence de gorilles dans ces zones équatoriales. Plus récemment, en 1992, c'est le Saola, un bovidé d'une centaine de kilos, qui ressemble à une antilope, qu'on a découvert dans certaines parties du Vietnam. Les populations locales en parlaient comme des légendes depuis pas moins de 2000 ans. Alors c'est clair, il y a quelque chose d'autre qui vit dans ces montagnes aux neiges éternelles. S'agit-il d'un groupe d'hommes reclus? S'agit-il d'un grand singe? Ça, il nous reste à le découvrir. Yeti là, Yeti plus là, Yeti parti, où est Yeti? Yeti poilu ou bien tendu, une tête d'obus, je l'ai perdu. Des poils partout, plus grand que vous, effet gros gros. Non mais c'est fou, Yeti existe, regarde une piste. Mais non, voyons, c'est tout bidon, c'est l'homme des neiges. Au pelage beige ou alors noir, qui peut savoir? Il laisse des traces, mais on le voit pas, toujours fugace. Moi j'y crois pas, Yeti tout seul ou bien en groupe, est-ce notre aïeul? Moi j'ai des doutes, est-ce qu'on le trouvera peut-être un jour? On remet ça, moi je suis pour Yeti là. Yeti plus là. Et dans mon lit. Ah non, c'est lui. Yeti là, Yeti plus là, Yeti parti, où est Yeti? Yeti là, Yeti plus là, Yeti, Yeti, merde, c'est fini!